bonne personne qui peut nous live sur Facebook. Namaskar. Monsieur Dieu, la bienvenue dans le 10e épisode The Way of Life. Swamiji, namaskar. Namaskar. Swamiji, aujourd'hui, comme nous dit Jésus la dernière fois, qui nous propose le 9e samskar, c'est nous Veda Karna Samskar. Karna Veda, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire Karna Veda Samskar, Swamiji? Karna Veda Samskar. Karna veut dire les oreilles, Veda veut dire piquer, perce les oreilles. Veut dire perce les oreilles, sa petit bébé là. Alors, c'est une cérémonie spéciale dans lui-même. Surtout quand sa petit bébé là, il y a 3 ans. 3 ans à 5 ans. 5 ans, ça se délai, hein. Je veux dire, prendre depuis 3 ans, rôde sur 15 ans clair de lune, toujours pareil, et contacter ou pandit ou purohit ou prêtre. Alors, il vous dit où, qui joue correct dans 15 ans clair de lune, et là, prépare pour sa cérémonie, prière, et là, son puja, son yadjahawan. Alors, là, fait sa cérémonie qui appelle Karna Veda Samskar. Et là-dedans, ce qui est plus important, quand on peut dire pique les oreilles, sa petit bébé là, d'après nos livres sacrés, les directs concernent direct Ayurvédique. Donc, besoin d'appeler un docteur. À l'époque, tu connais ça. Je veux dire, veille Dieu. Veille Dieu, je veux dire, nous voulons dire docteur. Alors, un docteur ayurvédique vient. Actuellement, pas nécessaire, dire, pas obligé un docteur ayurvédique, mais c'est une personne qui comprend ça, il vient lui aider. Donc, le docteur ayurvédique vient, ou purohit vient, ou prêtre, pandit, cérémonie Maria, cérémonie Karna Veda Samskar commencer. Et dans la cérémonie là même, arrive une place que papa lui prend sa petit bébé là dans ses bras et lui dit Om Karnebhi Shrinuyam. Un mantra spécial. Léla, lui perce les oreilles, sa petit bébé là. À l'époque, mon père voulait dire, oh, bien longtemps, pas dire millions d'années avant, après ça, une vie même, même jusqu'à la dernière l'air, si nous mettons un petit arrière 100 d'années avant, je peux piquer les oreilles. Avec piquant, citron, limon, ce piquant, il est naturel, je pique les oreilles, je perce les oreilles là, avec ça piquant là. Et actuellement, il y a un petit peu plus moderne, et pas une empêchée aussi, ou bien il doit faire lit, et ou faire prépare sur. Aiguilles en eau, pique ses oreilles. Quand même, je vous dis les modernes, tu piques les oreilles avec un aiguille l'eau, mais seulement, comment on peut faire dire où, ayurvédique, docteur là, il connaît, lui, docteur ayurvédique, veut dire, lui-même, il pique les oreilles là. Si papa est capable de piquer, si, il connaît piquer. Sinon, parce que sa docteur là, il connaît, quand pour piquer sa oreille là, exact, pour ne pas blesser lui aussi. Alors là, il pique les oreilles là, fait qu'on nous dit avec piquant. Piquant. Citron. Limon, ou soit citron. Alors, le temps il finit de piquer, il connaît qui médecine pour mettre là-dedans.
veut dire ban herbal. Oui, herbal, hein. Oui. Ban l'herbe médicinale, rasli. Un des petits gouttes, le temps il finit PS, il met ça dans les oreilles. D'ordinairement, le temps finit PS ça et il met un petit bâton. Ça aussi, une plante médicinale même là, herbale même là. Et dans Maurice, un ali un peu rose, on dit. Guiloy, ou soit même les autres plantes, docteur Ayurvédique connaît, docteur là connaît, alors là, le temps il finit mettre sa goutte, sa médecine, sa jus, qui sont aussi dans l'herbe là, et bah là, là, il met ça, là, un petit bâton, mon Dieu, pareil comme un bâton d'allumettes, c'est un bâton d'allumettes aussi, il est trop gros, trop épais. Un petit peu plus petit qui bâton d'alimètre, un peu court, petit. Alors, lui, il est infini, puis les oreilles, il met dans la troupe là. Alors, pour il n'y pas bousser aussi là, ça reste ouvert, là, il met. Après, plus tard, je vais te mettre ça. J'ai mis l'une de ce point là, on peut mentionner bébé. Est-ce qu'il est juste pas une fille, soit un gosse aussi, vis-à-vis de sa samskar? Gete, quand on peut dire samskar, petit bébé, il y a un garçon, ou soit petite fille. Sa petit bébé là, quand il naît, quand même, les garçons, les petites filles, petit bébé, petit baba, mais tous autres samskars remarqués, tout faire pareil, pas faire aucune différence. Tous samskars, quand nous peut dire tu bébé, tu papa, veut dire pour garçon, tu fille, tous les deux. Hein? Ça veut dire, il n'y a pas juste pour tu fille qui nous peut piquer les oreilles là. Pour garçon aussi. Piquer les oreilles pareil. Une petite différence, d'après nos livres sacrés, d'après nos sanskars vidi, nous soit nous cause Manus Muriti, grand riche, les mêmes qui finent conseiller faire ça, millions d'années avant. Et. Pour garçon, pique ses oreilles droite première. Et pour petite fille, pique ses oreilles gauche première. Allez pour un garçon. Il finit pique ses oreilles droite. Il y en a une montre pour dire, mon fait dire là. Hein? Karne bihi, shrinuyama, son mantra continue. Il pique son côté droite pour garçon. Léala, il pique côté gauche. Il y en a son mantra pour les oreilles gauche. Comme ça même pour les filles, il peut pareil même mantra. Mais seulement pour les filles, pique côté gauche avant. Léla, il pique côté droite. Alors il est bien bien clair, il n'est pas nécessaire zis, zis, les filles même, ou choisir garçon, mais garçon, fille, il y a un petit garçon, il y a une petite fille, mais pique les oreilles, il est pareil. Alors, dans sa façon-là, cérémonie-là, il est déroulé. Et les oreilles, il y en a une belle importance, surtout. Peut-être encore rappel, nous, tu peux cause le temps petit bébé là, tu fais tenir. Papa là, tu dis dans ses oreilles droites, Vedo City. Toi, mon garçon, ou soit mon petit fille, vin ved. Toi, ved, toi, vin ved. Comme ça même ici, tu dis Bhadram Karne Bihi. Bon Dieu, donne-toi les oreilles. Félicitations. C'est moi tout le temps que tu as besoin d'écouter ce qui est bon. Pas écouter ce qui n'est pas bon. Toujours écoute ce qui est bon. Et toujours écoute Shruti. Shruti. Shruti, Shravanam, écoutez, écoutez, apprendre pour écouter. Apprendre pour écouter. Ça écoute une grande affaire, ça. Shravanam. Shravanam. À cause ça, depuis dans le mot Shravanam, Shruti n'vini.
Shruti veut dire une autre signification pour Shruti, les Vedas, Vedas. La connaissance, science, l'éducation, écouter. Et ça, écouter là, une grande affaire. En général, quand même, nous disons, tout être humain, nous apprenons grâce aux oreilles. En lisant aussi. En lisant, nous capables de dire. Nous capables de trouver des affaires, nous apprendre. Et comme ça même, nous gagnons connaissance grâce aux oreilles. Connaissance, nous gagnons quand nous écoutons. Écouter une grande affaire. Dis-moi ce qui nous fait ça, l'habitude pour écouter. Écoute une grande affaire, ça. Si nous écoutons, nous apprenons beaucoup d'affaires. Beaucoup d'affaires, nous apprenons, oui. Mais apprendre ce qui est bon. À cause de ça, Pédier dit, Pédier, ça, petit bébé là, hé, mon garçon, hé, mon petit fille. Apprendre ce qui est bon. Quand tu apprends ce qui est bon, tu peux venir bon aussi, tu mets en pratique tout ce qui est bon. Nous, les grands du monde, ils déjà causé, ils ont bon Dieu, ils bien arrangent nous les cours. Ils donnent nous délicieux pour guetter. Nous bien guetter bien, ça les monde là. Ils donnent nous des oreilles encore pour écouter beaucoup. La bouche elle sait. La bouche aussi, tu es capable de nous deux. Mais bon Dieu dit non. Me donne-toi une seule la bouche. Ça veut dire que tu causes moins, tu écoutes beaucoup, tu en as des oreilles, écoutez beaucoup. Écoute ce qui est bon. Écoute ce qui est bon, bien sûr. Parce que pour t'en jouer, pour t'en contrarier son prochain, critique son prochain, ben, ça, quand elle est dans ça, ferme les oreilles. Mais quand elle est dans bon quelque chose pour écouter, écoute bon quelque chose. Surtout écoute les Vedas. Parce qu'il y a toute connaissance, science, éducation. Et pour faire du bien au prochain. Après ça, écoutez. Mais sa cérémonie-là, les bases est spéciale, l'au-delà. Après l'idiaou, en même temps, si vous trouvez, vous pouvez perdre nénè. Ça aussi, me conseiller, perdre nénè. Pour ça, petit bébé là. Si il paraît, ou soit un autre jour, capable de faire ce nénè. Ou capable de faire cérémonie là ensemble. Pique nénè là aussi. Et définitivement, quand pique nénè aussi, mettre pique-li avec sa piquant soit piquant limon, ou soit citron, son piquant naturel. Quand pique-néné, il est supposé deux tous les deux nénés, soit une seule face Non, tous les deux côtés. Okay. Pique tous les deux côtés. Ça pique. Bon, maintenant sur l'importance. Pareil comment actuellement tout le monde connaît, arrive à un certain âge, sa petit bébé-là a besoin de faire son vaccin. Ben ça, Il y a un vaccin là. Ça tigin 10 ans là, bizarre sorti dans sa l'âge là. En 3 ans, 5 ans. Tu peux piquer ça pour 10 ans là sorti. Alors, facile trouver quand nous, livre sacré, nous avons un grand sage. Tout ça là, je te connais. Donc, tu connais la science là. Alors, ça l'âge là, bien faire ça vaccin là. Zorodi nous peut dire vaccin. Mais tout le temps, tu as un vaccin. C'est moi vaccin, pas veut dire juste pique. Faire une injection, faire piquer dans les bras à petit bébé là. Alors, Zorodi, les naturels, Zorodi naturel, je vais faire vaccin. Mais à l'époque, ça même ça vaccin là. Dit-il dans sa façon là, pique les oreilles, pique les nénè. Et tu peux mettre son médicament qui m'a dit pour les oreilles là pas mire. Parce qu'il y a certains bébés, de nature comme ça, quand pique-les avec piquant, ou soit avec les aiguilles, l'eau,
définitivement sans mire, les oreilles mire. Ben, ayurvédique, il connaît lui, qui médicament pour empêcher les mire. Et il pour sec vite. Mais pas oublier quand pique les oreilles là, comme on fait dire, mettre sa petit bâton là, juste ça, ça trou là, continue ouvert après. Capable mettre ça zano. À 50 mètres zano. Ça, comme dit qu'on a une déco, une décoration, une beauté. Hein? J'aurais dit, montre aux Zénès, comment ou tout ça là, avec les oreilles. Ça ne vient pas de la mode. La mode. En fait, il n'est pas de la mode, ça. Il n'y a pas de nouvelles. Il y a ça, de nouvelles. Il y a ça, de nous, sans carte vide, pour piquer les oreilles. C'est bon, là aussi, il y a un Zénès qui pique un seul côté des oreilles. Pique tous les deux côtés. Hein? Mais seulement, il pique les oreilles, là. C'est une jolie culture, ça, bien, bien meaningful. Et comment on peut expliquer là? Tout ça, cérémonie, carnaval, sanskar, peut montrer que les oreilles ont une grande affaire. Il est bien triste, c'est qu'il perdit ça, la force pour écouter. Il est bien triste. Mais c'est lui qui gagne ce don là. Vraiment un grand don, c'est qu'il bon Dieu nous donne. Tout nous bon sens, nous tout dans notre valeur. Pareil comme l'hygiène. Si vous dans l'hygiène, le monde noir. Imaginez un petit coup si nous payons dans les oreilles. Nous ne pouvons pas dans ça, non de dire. Ouais. Mais si nous payons dans ça, la force, écoutez, sa sens, les oreilles là, pas tendre. Pas fonctionner. Pas fonctionner. Sa personnalité est sourde. Imaginez un petit coup une personne sourde. Comment il peut écouter une jolie la musique? Comment il peut écouter une jolie parole? Comment il peut faire? Il perdit beaucoup dans son la vie. Nous prions, bon Dieu, personne ne va venir sourde. Ben, à cause de ça, une prière spéciale faire pour ce petit bébé-là. Nous pouvons prier pour lui, que ses oreilles fonctionnent bien. Son néné, ça, la vie, respiration, il y a le bien. Piques oreilles. Et en même temps, comme on peut faire dire, il y a un vaccin. Il y a un vaccin. Soit midi, on mentionnait qu'il y a un bébé, comme on est, ça, samskar-là, il est supposé faire les entre 3 ans et 5 ans. Oui. Mais de généralement, jour 10 jours, on trouve un zénès, se fait, je pique les oreilles. Comme on arrive à l'âge 18 ans, est-ce qu'il est conseillable pour faire comme ça? Oui, conseiller. Enfin, je ne vais pas dire conseiller, mais il a le droit de faire, lui. Mais il ne va pas faire lui du tout. Mais comment je peux dire? Vaccin là, faire, non? Il a un âge pour faire. Ça, l'âge là, est bien, bien important. Pour tirer sa tigine 10 ans là, pour faire ça vaccin là. Et tirer sa 10 ans là, pour mettre ça médicament là. Ça, lui tient à son grand importance. À cet âge, 18 ans, 19 ans, 20 ans, il est capable d'un zénès 30 ans aussi. À ce il peut envie de faire ça, un petit peu, il peut penser, il peut mettre dans le pot. Hein? Nous comprenons un zénès comme ça. Pas mal. Je ne vais pas dire qu'il n'est pas bon. Ok, fais-le. Il est bon. Et voilà, vous êtes. Nous faisons un petit récap. Aujourd'hui, c'est le 27 mai. Et nous arrivons le 9e samskar. Soit me dit pour la prochaine fois, qui nous 10e samskar? 10e samskar et Upnayan samskar. Upnayanam. 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 Upnayan. Zodjali yajo pavitam. En hindi, il y a Janev. En telugu, il y a Janjemu. Mais ce mot technique, Upanayanam, Upnayan, ou soit nous dire Yajo Pavitam, Yajo Pavit, tout ça là bas un mot synonyme. Mais ok, nous pouvons dire Upnayan, Sanskar. Upnayan. Et voilà, vous êtes, nous retrouvons vous êtes la prochaine fois. Namaskar. Mm.